Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui arrivent. On vient de commencer le jeu à l'instant. Vous avez rien loupé, on vient d'arriver. Il y a un orage dehors. Il y a quelqu'un qui crie. Je suis dans une chambre. C'est quoi cette chambre de merde là? C'est quoi ça? C'est une chambre ça? Il n'y a pas de lit. Mais il est où le lit? Ah, il y a un... Il y a un marteau. Hé, hey, Sarao! Tu m'entends? Réponds-moi. C'est ma mère? Une chambre à Paris. Oh putain, attends, c'est ma daronne ou pas? Sarao. Qu'est-ce que tu fais assis dans le coin? Dis quelque chose. Je vais te buter! Attends, elle faisait super peur, non? Vous avez vu la... sa tête? 3 juillet. Elle avait une tête de zombie un peu. Notre daronne. Renia Elementary Schoolboy. Ok, donc... Oh non! J'ai encore fait ça. Ah, elle s'est... Elle a pissé les crozes. Elle s'est pissée. Bah, elle a pas mis de couche. Voilà. Toujours prévoir des couches, hein, avant de dormir. J'ai besoin de lui dire. Ouais, c'était un cauchemar. On a... C'était un cauchemar. Voilà. Ok, c'est parti. Très bien, les crozes, mais écoutez. On est parti, hein. Alors, est-ce qu'il va battre le jeu d'hier, vous croyez? Est-ce qu'il va battre karaoké? Ah, on est vraiment tout petit. Ah, on incarne vraiment une petite fille. Il y avait... C'est un mec, Toshi, il avait écrit « École élémentaire pour les garçons ». Ah, on incarne un mec, du coup? Sympa, la daronne. Ah, c'est un petit garçon. D'accord, excusez-moi, les crocs. C'est un petit garçon. Ok. C'est un petit boy. Alors. Donc là, c'est la vraie vie. Hein. C'est pas un cauchemar. Hein. Sœur. Ah, on a une sœur. Ok. La sœur qui dit à la maman et maman à propos de la salle de classe aujourd'hui. Attends, non. À propos de The Open Class Day. La journée des portes ouvertes, c'est ça? Maman, ferme-la. Me parle pas. T'es tellement ennuyante. Si seulement toi et ton frère n'étaient pas là. Je n'aurais jamais dû vous mettre au monde. Bah attendez, mais... Elle est horrible, la daronne, là, non? C'est quoi, c'est... Ah, c'est notre sœur, là. Oh, Biquette. Oh non, elle est vénère, là. Oh. Elle est en train de préparer la valise, la daronne. Attends. Maman, j'ai fait pipi au lit. T'es tellement chiant. Me parle pas. Je t'ai dit de te taire. Tu vois pas que je suis occupé. Ok. D'accord, la daronne. Alors, on va voir la sister. Est-ce que la sœur est plus aimable? Serette, j'ai fait pipi au lit. Oh, encore? Ramène les draps du lit. Ok. Ah, d'accord. Ah, elle va le faire pour moi. Oh, elle est trop gentille. Eh, Serette, faut qu'on se casse d'ici. Hein. Oh putain, il est énorme, le nounours. Il faut qu'on élabore un plan pour s'échapper de chez notre mère. Là, ça va pas du tout. Hein. Ok? Je lave les draps et on se casse. Ah, attendez, moi j'ai envie de visiter la maison. Oh, on peut aller partout. Ah, c'est trop bien. Alors.
C'est vraiment une Sims? Sympa l'ambiance à la maison. C'est quel genre de mère ça? Pété de rire, ça démarre bien, dis donc. Oh, le salon. À deux doigts d'être battu, hein. Ok, bon, on va aller prendre notre drap, plein de pisse. C'est là. Ok! J'arrive, Sorette, on va nettoyer ça ensemble. Je te les ai ramenés. Ok, allons en bas tous les deux. Je vais t'apprendre comment laver le linge. Je vais réaugmenter un peu le son parce que du coup là on n'entend plus rien. Hop. Ok, apprends-moi, Sorette, comment on lave du pipi. Oula. Ah putain, on l'entend encore faire sa valise. Elle est encore en train de faire sa valise. Tu me suis? Ok. C'est par où? C'est chez moi, mais je connais pas. Oh, on a un arbre à chat, c'est mignon. Où est-ce que ça se lave du linge? Non, pas dans l'évier de cuisine, je pense pas. Faut trouver la salle de bain là. Ah, c'est là. Ça doit être ici, ok. J'imagine pas la suite si le début est comme ça. Tuto YouTube de lavage de linge. Alors attends, comment on fait? Start. Tu m'expliques? Mets les draps à l'intérieur de la machine. Allume l'alimentation une fois que c'est fait. Ouais. Ouais, bon, ça a l'air tout con, hein. Power on, start. Yes! Oh putain. Est-ce que t'as compris comment faire? À partir de maintenant, t'es responsable du lavage de linge, ok? Qu'est-ce qui se passe avec maman? C'est vrai qu'elle a pris sa valise, elle s'est barrée, la daronne. Ok, Nova. 1er septembre. Donc c'est 2 mois après. Sœur, Renia. Elle m'appelle. Est-ce qu'elle est dans la cuisine? Bon, en tout cas, je suis déjà dans le jeu, hein. Je sais pas pour vous, je suis déjà dans l'ambiance. Ça a l'air cool. Ok, la cuisine. Salut Lyon! Bon, t'as pas loupé grand-chose en vrai, on vient de commencer. Tu vas bien? Alors attends, la cuisine. Elle est là. Je suis là, sœurette. La nourriture est bientôt prête. Est-ce que tu peux aller prendre le linge? Ah putain, mais je suis vraiment devenu la... Comment on appelle ça? Ok, j'ai pris le linge. Par contre, attends, mais c'est quoi tout ça? Pourquoi il y a plein de sacs là? Mais c'est une déchetterie chez nous ou quoi? J'ai jamais vu autant de sacs dans une maison là. De sacs poubelles, je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il y en a encore là. Pourquoi il y a autant de sacs poubelles chez nous là? Attends, mais... Dans le salon à côté de la télé? Il y a beaucoup trop de sacs là. What? Il y en a encore là? Attends, mais c'est quoi ce délire? Je dois les mettre où les fringues? Ah là, ok. Le dîner est prêt. Tu peux venir. J'arrive. Bon, et pour l'instant, à part la daronne qui est complètement zinzin, tout va bien.
Je veux dire, notre sœur nous fait à manger, on mange avec elle. Pas mal, hein? Comme ça fait longtemps, j'ai essayé de faire du curry. Comment c'est? Ouais, c'est bon. C'est super bon. Ça a été super long à préparer, à tout préparer. Soit thankful, soit reconnaissante. Tu n'as pas intérêt à oublier quoi que ce soit pour l'examen. Ouah, t'as eu 100 sur tout? Ah, genre, c'est une putain de surdouée, notre sœur? Elle a eu que des bonnes notes. T'es incroyable, Sorette. Putain, 100 sur 100. Et en plus, elle cuisine bien. C'est vrai, je vais montrer ça à maman. Elle va s'en battre les couilles. Je spoil le truc, hein. Elle va voir les notes, elle va faire. Mais ferme ta gueule! On parie? En vrai, elle me fait de la peine, hein, la sœur. Je trouve. C'est un peu la fille parfaite. Elle a des bonnes notes, elle cuisine bien. Elle est là pour sa famille. Et on a une mère absolument horrible. Est-ce que maman va revenir à la maison? C'est vrai qu'elle a pris, elle a pris sa valise, elle s'est taillée, hein. Est-ce qu'elle va revenir? Pourquoi elle a fait sa valise? Bien sûr qu'elle va revenir. I'm sure she's going to be amazed when she sees. Ah, je suis sûr qu'elle va être très contente en voyant ça. Alors moi, je suis pas sûr du tout, mais bon. T'as besoin de ta mère. Sœur, t'es vraiment. Attends, love mom, don't you? Ah, est-ce que t'aimes vraiment maman? Bah oui, c'est normal, non? Nous sommes tous des enfants, on aime tous notre mère. Oh, elle est trop kiki, hein. Putain, la vache. Elle est beaucoup trop gentille, elle, hein. Ouais, elle nous rassure. En fait, je pense qu'elle nous, elle rassure son petit frère, quoi. Ouais. Septembre. Je me demande si les vêtements ont séché. Voyons voir si les vêtements ont séché. Ok. Elle est rentrée, maman, ou pas, là? Ça fait quand même 3-4 jours, non? Putain, la chambre de la daronne, elle est glauque, hein. À tous les coups, elle prépare des rituels satanistes ici, non? On se méfie des crozes, hein. Faut pas oublier qu'on est dans un jeu d'horreur, hein. Salut Anda! Mettre les vêtements dans l'armoire. Drawer, c'est armoire ça, hein. Faut remonter, je crois. C'est moi ou ça bug? Non. Vous buguez les crozes? C'est un jeu japonais, ouais, comme hier. Ah, c'est là qu'il faut les mettre. Elle va les vendre à des yakuza. Aucun bug de mon côté, pas de bug pour moi. Non, là, ça a l'air de d'aller bien. Hein. De mon côté, nickel, les crozes. C'est bizarre, elle ne m'a pas appelé aujourd'hui. Je me demande si le dîner est prêt. Oula, 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 oula. Attends, 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 attends. C'est vrai que notre sœur nous a pas appelé là.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Attends, attends, putain. Si j'ouvre la porte et que je vois notre sœur décapitée ou pendue dans le salon, je pète un câble. Hein. Mais il y a de plus en plus de sacs. Attendez, 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 c'est pas possible. Oh, je peux pas vivre là-dedans, moi. C'est quoi cette supercherie, là? Non, cette porcherie, plutôt. Il y a trop de sacs, là. Sœurette ne cuisine pas aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est allée? Non mais attends, c'est pas possible d'avoir autant de poubelles chez soi là. Bon, il faut trouver Sœurette. Bon, on va aller voir dans sa chambre les crozins. De toute façon, je peux pas sortir de la maison. Donc on va checker sa chambre. En espérant qu'elle soit pas morte. Je ne vois pas ma sœur. Il pleut dehors. Bah elle est où? Sœurette? Elle n'est pas là non plus. Oh là là, je suis tout seul dans la maison? Elle est où? Non. Est-ce qu'elle est partie dehors? Attends, 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 attends. Ouais, je crois que c'est un peu ça, Xelfir. Elle est à l'école. Regarder un live de Toshi au lieu de préparer ses affaires, nickel. À chacun ses priorités, hein. Alors attends, est-ce que je dois aller dehors? Ah! Ses chaussures ne sont pas là. Donc elle est forcément partie dehors. I wonder where she's gone. Ah, je me demande où elle est partie à cette heure de la journée. Parce que là, il fait nuit. Hein. Et en plus, il pleut très fort dehors. Pourquoi à ce moment-là? Je dois la trouver. Wow! Attendez, on va se faire kidnapper là. Les Crozes, il faut pas oublier que le jeu s'appelle The Kidnap. Là, on incarne un enfant de 9-10 ans. Nous sortons de chez nous pour aller dans une rue glauque, sombre, en pleine tempête. À tout moment, ça part en couille. Moi, je vous le dis. Hein. Oh, non, c'est horrible, il va lui arriver une dinguerie, on va se faire kidnapper. On prend quelle route, les Crozes? Il y en a trois, là. Est-ce que je prends les lampadaires, le chemin sombre, ou là-bas? Ah, oh, c'est horrible. Je vais aller par là. Oh là 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 là. En appuyant sur E, je peux l'appeler. Oh. Team lampadaire, hein. Non mais c'est... Il va y avoir une camionnette là. Mais... Putain. Il y a plein de prédateurs à cette heure-là. Sœur, où est-ce que tu es? 8 septembre. 4 jours plus tard? Oula, c'est l'heure de nettoyer. Attendez. Bonne ambiance. Lampadaire, ouais. Je parie sur un pervers. Bon, du coup, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Je crois qu'on incarne la sœur, là, les Crozes. Ouais, on est un peu plus grande. Et on est à l'école. Ok, c'est le moment de nettoyer. Ploup, ploup, ploup. Ploup, ploup, ploup. On nettoie la coke. Oh putain. Pas de drogue ici, hein. Allez, ça dégage.
Ok, tout est bon. Elle fait un peu peur, elle. Ok, bon, on est en classe, on incarne la sœur. Pour l'instant, tout va bien. Oh, j'ai peur pour la suite, bordel. Attention tout le monde. S'il vous plaît, soyez silencieux. We will begin your end of day meeting. On va commencer la fin de notre jour d'entretien. Est-ce que tout le monde écoute? S'il vous plaît, ne suivez pas d'étrangers. Sur la route du retour. Soyez... wary, je sais pas ce que ça veut dire. Genre fuyez les personnes, les adultes un peu bizarres. La meuf, elle nous sort ça alors qu'il y a notre petit frère dehors en pleine nuit, quoi. Salut, enfin, au revoir. Et rentrez chez vous en sécurité. L'histoire du jeu, Lyon, bah en fait, on sait pas trop de ce qu'on sait. On incarne un petit garçon de très jeune. On a une sœur qui est plus âgée. Et une mère absolument horrible. La mère a disparu. La sœur a disparu. On s'est retrouvé dans la rue. Et là, on incarne notre sœur au lycée. Voilà. C'est une histoire de kidnapping, à mon avis. Vu le titre du jeu. Ah, c'est bien. Ok, il faut que je trouve mes amis en haut à droite. Et on va faire la route avec eux. En quatre heures. C'est eux? Non, toi tu t'appelles Naoshige. Attends, I heard that the clown target people when they... Non. Non, pas un clown. Nécrose. Je crois que le kidnappeur est un clown. C'est ce qu'il est en train de nous dire, le mec. Hein. Il dit qu'il y a un clown qui arrête les gens dans la rue quand ils sont seuls. Putain. C'est un clown, les crozes. C'est un putain de clown. Je vois. Est-ce que tu as déjà vu le clown? Parfois, je sens sa présence. Tu devrais faire attention, Renia. Bah non, Renia. Attends, Renia, c'est nous? On n'incarne pas la sœur? Renia, c'est le petit garçon, non? Bah attendez, du coup... Bah attends, je croyais qu'on incarnait la sœur, mais pas du tout, on incarne le petit garçon, là. Tous dans la camionnette du clown, les... Tous dans la camionnette du clown, on a dit. Let's go. Allez, c'est bon, parce que... Et cette musique... Oh. Allez, on prend nos chaussures. On peut plus, hein. Ok, tout le monde est là. Oh, y a plus la musique, ça fait trop du bien. Let's go. Ah, c'est trop bien. Je sais pas où je dois aller. On va aller par là. Ah, on fait vraiment la route avec eux. そうだよ、それがいいよ。
Y a-t-il un clown dans le coin? Vite que ce supplice s'arrête, c'était chiant. Mais tout est paumé, Sarah, tu sais que je me disais la même chose dans ma tête, genre l'école, elle est perdue en pleine forêt, c'est quoi ce délire? C'est une école, on dirait une école abandonnée limite. Ça parle de chaussures. Ouais, on dirait une ville fantôme. Et les crosses, vraiment, vous avez ce ressenti aussi? On dirait vraiment une ville fantôme, ouais. Ah, les bruits de pas, ça me fait trop rire. C'est la Corée du Nord, je pense pas. Hein. Oh, 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 attention, il y a une mamie. C'est pas un clown, ça. Hein. Wouah, la gueule! Ça va, mamie? Attends, allons jouer à cache-cache ici? Vous la sentez là? La merde là? Jouons à cache-cache ici, mais quelle idée à la con! Faites des gosses, hein! Ok, faisons ça. Mais c'est des malades, pourquoi ils font ça? En plus, ils savent qu'il y a un clown dehors, genre... N'allons pas à l'extérieur du parc, d'accord. Jouons à pierre, feuille, papier, ciseaux, là. Non, pierre, feuille, ciseaux, il n'y a pas de papier. Ok. Je choisis les ciseaux. Ah oui, d'accord, ils m'ont tous enculé. Ah, ils m'ont tous niqué. Ok, je dois compter. 20, 19, ok, c'est parti, je vais devoir les chercher. 0. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Prêt ou pas, j'arrive. Ok, faut trouver nos trois potes. Ah, j'aime bien. My school bag. Ah, on a laissé nos... Ok, on a laissé nos sacs de cours sur les bancs. Ok, alors. J'ai toujours été très bon au cache-cache, les crosses. Il y en a déjà un là. Qu'est-ce qu'il fout? C'est la pire cachette, mec. Pire cachette, Masahiro. Allez, descends de là, tu fais pitié. Et de 1. C'est quoi ces cachettes de merde? Oh oh oh, attends. Y'a quelqu'un qui nous regarde? Attends, c'est qui lui? C'est qui ce mec? Pourquoi il s'arrête là? Gros, trace ta route là! On te connaît pas, mec! Oh là là! Ok, il y a un mec bizarre qui nous regarde, on fait gaffe. Putain, il nous regarde vraiment, les crosses, je vous jure. Il est en ma direction, là. Oh là là, j'aime pas ça. Je suis sûr, il y a un gosse, on va pas le retrouver. Attends, le deuxième est là. Ok, Koime, on l'a trouvé. Attendez. Ok, de 2. Ouais, il fait flipper, hein. Ok, les deux sont avec moi, là. Il est où, le troisième? Il est là? Oh, putain, on l'a trouvé. Oh, j'ai eu peur. Ok, Keiji, nickel. Je suis le dernier, youpi. Refaisons-le encore une fois. Oh putain, comment il a couru vers nous? Eh, qu'est-ce qui se passe avec ce mec? Oh non.
Kimitachi. Eh, les gars. Est-ce que je peux me joindre à vous? Putain, il veut jouer à cache-cache avec nous. Eh, qu'est-ce qu'on devrait faire, Renya? Bah franchement, on lui latte les couilles. Alors, soit on dit, bien sûr, jouons ensemble. Soit on dit, il n'y a pas moyen, mec, on joue pas ensemble. Qu'est-ce qu'on dit, les creuses? Honnêtement, on joue pas avec lui. On choisit quoi? Dites-moi dans le chat. Je prends la réponse où il y en a le plus. Rentre chez toi, mon ref. Oh putain. Je dis non, non. Non, mon gars, bah non, non. On joue pas ensemble, c'est mort. On joue avec. Oh putain, Arigzi, il aime le danger. Hein. Arigzi, c'est un pédophile. Ah, y a de fortes chances. Hein. Non, on joue pas avec. Non, c'est catégorique. Non, non, non. Ouais, bah clairement, les crocs, on va dire non. Hein. Je vois pas comment on pourrait dire oui. Allez. Dites pas ça. Oh putain, on l'a énervé. Eh, qu'est-ce qu'on devrait faire, Renya? Non. Oh putain, je crois que j'ai pas le choix. Putain, les crocs, je suis obligé. Il va pas partir. C'est un adulte, il nous fait peur, on n'a pas le choix. Bon. Eh ben... Merci. Oh putain. Dans quoi on s'est fourré, bordel de merde. Dans quoi on s'est fourré, putain. Ok, le vieux monsieur. T'es avec nous. Rien que dans sa voix, c'est un pédo, ça se sent. T'es adulte, du coup, tu peux compter. Tu peux compter. Commence à compter. Attends, mais. Hein? Ah, on l'a enfermé? Attends. Oh, attends, le génie, il est enfermé. Génie! Alors là, j'applaudis. Putain, Masahiro. Oh, le génie! Oh, il est enfermé dans la cabane! Maintenant, c'est notre chance, barrons-nous d'ici. Mais voilà, ça c'est de l'intelligence, putain! Enfin, des gosses qui sont pas naïfs, qui sont intelligents, c'est bien ça! Odono. Odono qui offre 5 subs. Merci beaucoup, Donovan. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, Dono. Trop gentil de ta part. Merci beaucoup. Cœur sur toi. Merci pour le soutien. Vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Siècle, Tita, Dark, Satri et... Pouic, pouic! Merci, Dono. Attendez, je vous ai pas lu, du coup, avec les abonnements. Je vous relis. Le bon plan, c'est génie, c'est jeune. Génial. Sauf qu'il va se venger. C'est ce que je me suis dit, Arigzi. Je me suis dit, le mec, il va se venger. C'est sûr. C'est sûr qu'il va se venger. Merci Lily! Lily qui offre un abonnement à Monsignia. Merci beaucoup! Merci! Oh, le train de la hype est lancé! Oh là 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 là, le train de la hype! Ok, faut qu'on se casse. Attendez, je vous lis. Bah, Monsignia, tu peux remercier Lily. Merci beaucoup, les creusins, merci! Bonsoir, merci, je retourne sur la rediff d'hier. Ah oui, ok, t'as pas vu le live d'hier, vas-y, tu as kiffé. Lily, trop gentil.
Donovan, trop gentil, merci les creuses. Ok, on reprend le jeu. Shift to run! Ouais, par contre, ce que dit Zarixi dans le chat, c'est vrai, c'est que là, je pense qu'on l'a énervé. En fait, à vouloir. Enfin, à l'enfermer dans la. Regarde, il est là. Putain, putain, putain. On l'a énervé. On l'a énervé, là. Attendez, vous avez vu? Vous avez vu sa tête dans la cabane? Comment il regardait les gosses? Je pense qu'on a semé le vieux monsieur. Est-ce que ça va? Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, 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 on va pas lui parler. Vous avez... Ouais, le regard sombre qu'il avait. So, rentrons, rentrons, rentrons. Ah, j'ai envie de... Les crocs, j'ai envie d'aller voir, mais... J'ai envie d'aller voir s'il est encore dans la cabane. Ah, ma curiosité me pousse. Ah, je peux pas y aller, très bien. Go! Rentrons, les amis, rentrons. Ouais, Lyon, je pense que c'est le clown. Je pense que c'est le clown, mais sans son déguisement. Hey, Renya a besoin de s'arrêter au magasin. Oh putain, il va être dans le magasin. Va voler quelque chose? Ok. Putain, faut que je vole des... Attends, faut que je vole des chips, des ramen et des boissons? Loul. Attends. Ah oui, mais en fait, on est des bad guys, hein? Essayons de choper du... Ok, je dois voler... Oh, il y a la mamie! Mais non, il y a la... Oh putain, la position de la vieille. J'espère qu'on va pas finir comme ça plus tard, les croissants. Ah, oh, c'est la vieille avec son caddie qu'on a vu tout à l'heure. Ok, alors, il faut que je vole des chips, ramen et boissons. Ah! Mansinia, qui offre un sub à Camille, merci beaucoup! Merci, 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 Mansinia! Merci, t'es un amour, merci beaucoup. Ah. Train de l'hype niveau 3, les crocs, hein. C'est rare que ça arrive aussi loin. Let's try to gab. Ok, en fait, il faut que je vole des trucs. Putain. Oh putain, sa mère me dit... Les crocs, c'est lui. Camille, tu peux remercier Mansinia. Hein. Un mois sans pub, c'est cadeau. Attendez, il est là. Oh, je m'approche pas de lui. Oh, ça me terrifie. Les crocs, vous voulez que je vous raconte une anecdote sur ma vie personnelle que j'ai vécue? C'est pour ça que ça me terrifie, ce genre de situation. Parce que, attendez, est-ce que je peux voler le... Ok, ça je peux. D'accord. On a volé les ramen. Ah, la vieille, elle est... Attends, la vieille, elle est partie, vite. La vieille, elle est partie. On chope les chips. Par contre, pour la... Putain, mais arrête de me regarder, toi! Pour la boisson, les crozes. Ah! Merde! Du coup, je vais vous raconter une anecdote sur ma vie... Quand j'étais petit, bah j'avais cet âge-là. J'avais 9-10 ans. Et mes parents, ils m'ont emmené dans un magasin de jouets.
avec mon frère et tout. Enfin, on faisait les courses, quoi, avec mes parents. Et il y avait une borne de jeux vidéo. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les magasins. C'est un écran avec une manette qui ressort de l'écran. Merci Lily pour les bits. Et dans le magasin, t'avais du coup une borne. Vous avez déjà vu ça, des bornes avec un écran et les manettes comme ça qui sortent de l'écran et tu joues comme ça dans le rayon du magasin, tu vois. Et ben du coup, moi j'étais un geek, hein. Déjà à 8 ans, j'étais un geek. Du coup, je vois ça, je vais jouer. Du coup, je suis là comme ça, je fais 1m30, je suis en train de jouer sur l'écran. Et je sens une présence derrière moi, mais exactement comme lui, tu vois. Une présence comme ce fils de pute là. Il était juste derrière moi. Et il regardait pas à l'écran, il me regardait moi, tu vois. Et il était collé à moi. Je le sentais derrière moi. Du coup, je fais un coup comme ça, je m'en souviendrai toute ma vie, ça m'a traumatisé. Je regarde derrière comme ça et je le vois me regarder. Je vois ses yeux me regarder moi. Tu vois, au lieu de regarder mon écran en train de jouer, non, il me regardait moi. J'ai couru, j'ai tapé le sprint de ma vie dans le magasin et je me suis mis dans le caddie de mes parents. Mes parents, ils avaient un caddie, il était vide. Je cours comme ça, comme un cinglé. Je regarde derrière moi et je plonge dans le caddie. En mode, j'ai ma carapace, tu vois, on peut plus me toucher. Et j'ai vécu ça, les crocs. J'ai vécu ça et je sais pas qui était ce mec. Il voulait pas du tout être là pour me regarder jouer. Il était collé à moi et il me regardait de haut comme ça. Terrifiant. Voilà. Et je m'en souviens encore très bien. J'avais 9 ans, tu vois. Donc ça m'a traumatisé ces conneries. Hein. Du coup, quand je vois ça, bah, je suis pas bien. Bon, la grand-mère, là, elle casse les couilles. Hein. Alors, okay. Alors, comment je vais faire pour choper la boisson? Faut pas que mamie, elle me voit. Oh putain. Attends, faut qu'elle aille au fond, en fait. On va attendre qu'elle aille au fond. C'est horrible, purée, l'horreur. T'as failli te faire kidnapper. Je pense que oui. Ah non, je suis resté dans le caddie, même à la caisse. Mes parents m'ont pris à la caisse, ils m'ont passé sur le tapis et la caissière, elle m'a scanné, quoi. Ah putain, elle s'est barrée, vite, on en profite. La boisson. Allez, go. Oh putain, je déteste ça. On se casse. C'est bon, on a tout. Par contre, les gars, il est là, hein. Il est dans le magasin. Je vais bien. Ok, on se casse. Quel enfer ce jeu. Ouais, ils l'ont su, je leur ai dit, Max. Ouais. Attends, il nous suit ou pas? Non, il nous suit pas, c'est bon. This is ma... Ah, c'est ma maison. On est meilleurs amis, n'hésite pas. Ok, see you. Bye bye. Du coup, je suis avec ma canette de coca. Ok, donc il y en a deux qui rentrent là. Ok, lui, attends, est-ce qu'il rentre bien chez lui? Ouais, il rentre bien chez lui. Toi, tu rentres bien chez toi aussi. Ok, du coup, on est plus que deux. Allez. Let's go. Faut vite rentrer chez nous, là. Vous kiffez le jeu ou pas, les crocs? Je veux votre avis, là. Comparé à karaoké hier, vous trouvez que c'est moins bien, que c'est pareil ou que c'est meilleur que le jeu d'hier? Pour l'instant. Oh putain, elle recommence avec son clown. Attends. Je viens de voir un clown. Attends, quoi? Y'a pas de clown là, qu'est-ce que tu racontes toi? Je viens de voir un clown, elle a dit.
Il est top, j'adore l'ambiance. Ouais, c'est trop cool. Il est un peu long à démarrer, j'adore le jeu. Mais Mako m'empêche d'en profiter. Bah, tu verras la rediff de nos pierres. Il est bien, moi je préfère le karaoké pour l'instant. Pareil, pareil, je dirais, le karaoké c'était pas mal. On pouvait chanter la mort de notre ami. Il est bien, je trouve, on arrive à mieux comprendre l'histoire que le jeu d'hier soir. Moi, je vous dis, je trouve qu'il est plus immersif, ce jeu-là. Attends, après, attention, le jeu n'est pas fini, les crozins. Le jeu n'est pas terminé. Hein. Attends, elle a dit qu'elle a vu un clown? Waouh! Ah putain, mais je suis dans ton cou là! Ah, je ne sais pas, elle a soudainement disparu. C'est vrai que notre sœur a disparu. Hein. Est-ce qu'elle va bien? Je sais pas, peut-être. Ah, ma mère bosse dans un centre de guide d'enfants. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ok. Oh putain, elle rentre chez elle. Ah, c'est là. Oh putain, on va se retrouver tout seul. Shift run. Putain, vous voyez pas l'écran, c'est derrière moi. Vous voyez pas avec la cam. C'est marqué là. Shift run. Eh ben, on est tout seul. Oh non, il y a une camionnette. Il y a une camionnette là. Les crozes, on l'a vu hier, hein, ce que ça donnait les camionnettes. Je peux pas venir chez toi, vraiment. Tu peux pas, on peut pas jouer à deux? Non? Il y a une camionnette, putain de merde. Ouais, une camionnette sur la route, c'est mauvais, hein. En général. En général, c'est pas très bon. Merde, 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 merde. Bon, on n'a pas le choix, hein. Faut qu'on passe à côté. Hein. Le fameux marchand de bonbons. Qui veut une glace? Oh la musique. Oh la musique. Si les phares s'allument, je pète un câble. Y'a clown! Y'a clown! Y'a clown! Y'a clown! Y'a clown! Y'a clown! J'ai des frissons, les crocs, j'ai des frissons dans tout le corps. Je vous jure, j'ai des frissons dans tout le corps. Et le pire, c'est qu'on rentre tout seul chez nous, il n'y a pas notre sœur. Putain, 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 putain. Il va nous écraser? Putain, le clown, il m'a foutu les frissons de la tête aux pieds. Pourquoi elle s'est arrêtée là encore, elle? Il y a des corbeaux. Vous êtes là, les crozes. Heureusement que vous êtes là. Hein. Il n'y a pas ma mère, il n'y a pas ma sœur, mais il y a mes crozes. Bon, vous êtes tous là pour me protéger, heureusement. Ça va. Je me sens moins seul. Je suis à la maison. Oh putain, non, il y a le clown juste derrière. Il y a le clown plus une camionnette. Ok, c'est bon, je suis rentré, les crocs, tout va bien. Je dois laver mes mains. Oh, et ferme bien la porte, mec, je te jure, ferme bien la porte, parce que là, c'est tendu de fou. T'es tout seul chez toi. Putain, il y a des mouches. T'es tout seul chez toi, il y a un clown tueur et il y a un pédophile juste devant chez toi. Donc fais gaffe. Où est-ce que je peux me laver les mains? Dans la salle de bain peut-être? Oh, il y a un chat! Oh, il y a un minou! Il y a Tama! Oh, mais je suis pas tout seul! Oh, bébé! Oh, je savais pas qu'on avait un chat. C'est trop bien. Ok. Je devrais mettre la bouffe sur la table. Ah oui, ok, il y a les chips et la canette de coca. Changeons de vêtements, ok.
Si le chat il meurt, je vous le dis, hein, je rage quitte. Changer de vêtements, ok, c'est dans ma chambre. Tu viens, comment tu t'appelles? Tama? Viens, Tama. Viens avec moi. Tu vas me voir tout nu, Tama. Dépêche-toi. Allez, on change nos vêtements. Non, non, que le clown n'essaie même pas de toucher au chat, c'est mort. Ok. Vêtements, c'est fait. On va travailler. 2 plus 2, 4. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, quoi? Attends, 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 mais on va vraiment faire ça? Alors qu'il y a des gens très mauvais dehors. Oh, il va se passer un truc. C'est comme le karaoké hier, genre quand on chante, il s'est passé une dinguerie. Là, tu vois, ils occupent notre cerveau. En fait, ils sont bons, les développeurs. Ils occupent notre cerveau à faire quelque chose. Et du coup, ben... Vu que notre cerveau est occupé, on s'attend pas à ce qui va arriver. Et là, je suis bon. Oh! Oh non, vas-y, flemme. Ah, oh, on peut regarder autour. Oh! Oh là 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 là, on peut regarder autour, c'est-à-dire qu'on peut voir là s'il y a quelqu'un sur le balcon? Putain, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Vas-y. Dites-moi que vous l'avez vu. Vous l'avez vu? Je bois un petit coup d'eau, les crocs, parce que là, putain, ça y est. Il est à la maison. Le clown a réussi à rentrer. Bon alors là le problème c'est que j'ai 9 ans, j'ai pas d'armes, je peux pas me défendre, y a personne chez moi, y a pas ma sœur, y a pas ma mère. Bordel de merde. Je suis pas bien là. Là je suis clairement pas bien. Le chat. Je vais me jeter de mon lit si ça continue comme ça. Le chat, il est là. Oh putain. Oh putain, t'es là. Tama, est-ce que t'as vu un clown dans la maison? Reste près de moi, s'il te plaît. Reste près de moi, faut que je fouille la maison, j'ai pas le choix. Putain, il peut être que là, ça veut dire. I should feed the fish. Je dois nourrir les poissons. C'est quand la dernière fois que je les ai nourris? Je dois nourrir les poissons. Attends, mais elle est sérieuse là? Enfin, il est sérieux? Elle vient de voir un clown et elle va nourrir ses poissons? Putain, le frigo est vide, bordel. Elle est où la bouffe? Ok. Ah, je vais nourrir les poissons avec des ramens. Ils sont où ces putains de poissons? Ah, c'est là. Ah non, d'accord, ok, c'est bon. Putain, mais quelle angoisse! Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais me retourner, il va être là. A few of them are dead. Ah merde! Bah bravo! Putain, j'ai pris la. J'ai pris les ramen, j'aurais pas dû, du coup je les ai dans les mains. Ah non, je vais me faire à manger, ok. Il y a un clown chez nous, mais.
J'avais faim. Maman, j'ai raté l'avion. Version clown Japon. Ok, je viens de finir de manger, je vais aller jouer aux jeux vidéo. Bah pourquoi pas après tout? Avec le clown, non? En coop? Oh, toi t'es mignon. Je vais jouer aux jeux vidéo, alors attends. Dans le salon, là, ici? J'ai pas du tout envie de jouer à des jeux, mais vas-y, hein. On peut regarder autour de nous ou pas? Oh putain. Stage 1. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il était à la fenêtre? Non, 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 arrête, Sat. Arrête! Le clown, il était à la fenêtre? Un jeu dans un jeu. Non, mais alors là, c'est... incroyable. Hein. C'est vrai que c'est un jeu dans un jeu. Oh putain, attends, attends, attends. Oh là 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 là! Eh, les pédophiles, restez loin de moi, là. Il y en a beaucoup. Mais... un enfant de 9 ans qui joue à des jeux comme ça? Pas normal. Choper un truc. Il est bien ce petit jeu dans le jeu là. Ah d'accord. Ah je dois les placer sur le... Ok. Donc là, là, là et là. Ok! Qu'est-ce qu'on a récupéré? Un marteau! Ah, je vais pouvoir péter la roche là-bas. Oh là là, le talent! Je le sens mal là. Le jeu pour bien mettre dans l'ambiance. Ça a changé Pokémon. Zelda version Wii. Un jeu d'horreur dans un jeu d'horreur. Alors, est-ce que je peux quitter le jeu à tout moment? Ok. Oui. Ok, c'est bon, on a joué. Oh, heureusement, il nous est rien arrivé. Oh putain, l'interphone. Mec, c'est le moment de te barrer. Lettre. J'ai ta sœur. Putain, c'était ça. Qui avait dit ça dans le chat? Je crois que Nova t'avait raison. Le scénario était bon. Depuis le début, notre sœur a été kidnappée par le clown. En fait, c'est marrant parce que tout le monde pensait que ça allait être le gosse qui allait être kidnappé. Mais non, c'est notre sœur qui a été kidnappée. J'ai ta sœur. Si tu ne veux pas la perdre, pète tous les ballons, loser. Quoi ? Attends, je dois... Attends, mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Pardon ? Attends, mais il est là, il joue avec nous ? Il se joue de nous, là ? En plus, on dirait un peu, on dirait beaucoup le clown de Pinview Drive. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je veux pas faire de ressemblance. Mais il a un air du clown de Pinview. Hein. Rends-moi ma sœur! Rends-moi ma sœur! Mon dieu. Oh,
quoi? Une 58? Oh putain! Ma sœur! Ok, on a 1 minute 50 pour péter tous les ballons. Oh, ça va être impossible, il y en a trop! Putain! Oh, ça me stresse! C'est un ballon, ça? Non, c'est une lampe, putain! Toshi! Oh, il y en a trop, attends, je vais jamais y arriver, là. Hein? Mais il y en a beaucoup trop, les crozes. J'ai mal aux doigts, là. Oh, j'ai mal aux doigts, putain! Allez, encore 1 minute 13. Putain. On va y arriver, hein? Putain, il y en a qui sont tombés, fais chier! Allez, vite! Je peux pas courir en plus. 50 secondes. Quel enfer. Il y en a encore ou pas là? Là. C'est tout, hein? Putain, il a disparu. Il en reste ou pas? Putain, fais chier. On n'a pas checké les chambres. Oh non. Non! C'est impossible! 30 secondes! Oh putain. J'ai pas envie de tout refaire, vraiment. Mon doigt le supporterait pas. Oh putain. 17 secondes. Oh, c'est mort. C'est mort! C'est mort! J'ai mal aux doigts! Non! Ah! Putain, il est là! Oh! Oh! Attends, il y a une porte là? What? C'est fini, je crois. On a eu la mauvaise fin. On n'a pas réussi à péter tous les ballons. Oh! Attends. Putain, on était pas loin, fais chier. Tama? Ok, on se réveille chez... On se réveille chez nous. Oh, t'es là, toi? Viens là, mon chat. C'était un rêve? Les crozes, elle n'existe pas, la porte. Hein. Ou alors, cette porte-là. Je crois que c'était... Ah, attendez. Peut-être qu'on a rêvé. Mais oui, peut-être que... C'était un rêve. Vu que nos potes nous ont parlé d'un clown au lycée, nous, on est rentrés chez nous. On a rêvé de ça direct. Il n'y avait pas de clown, en fait. On se réveille, c'est un cauchemar. Attends. C'était vrai ou c'était un cauchemar? Tama, t'es là? Oh là, c'était quoi ce cri? C'était quoi ce cri là? Attends, c'était peut-être pas un cauchemar. Hein. Oh non, la baie vitrée est ouverte. La baie vitrée est ouverte. Y'a du sang? Attends, quoi? Attends. Y'a quelqu'un qui est rentré chez nous. Quelque chose est coincé. Aïe. Je peux pas regarder. Oh putain, find Tama. Ah non, mais Tama, c'est le chat? Oh non, hey, j'espère qu'ils ont pas tué le chat. Hein. Le chat. Faut qu'on trouve Tama. Non, c'est pas le chat qui a ouvert la baie vitrée, les crocs, c'est impossible. Un chat n'ouvre pas les baies vitrées. Vous avez déjà vu ça, vous? Moi, non. Il est où? Putain. Le chat est rentré et s'est essuyé les fesses par terre. Attends. Faut qu'on le trouve. Il y a quelque chose qui coince dans l'armoire.
Oh. Oh putain. T'es vivante. Me dis pas qu'il y a le clown à côté, hein. Je vais péter mon crâne. C'est le mec du cache-cache. T'es trouvé. Oh putain. Non. 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 Il nous a kidnappés. Hein. C'est notre sœur. Attends, attends, c'est qui ça? C'est notre sœur ou c'est notre amie? Attends, quoi? 6? Putain! What? Où est-ce que je suis? Oh, on est chez le... On est chez le... Ah. On est chez le pédophile. Oh. Oh là 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 là, au secours. Ok, il faut vraiment que je parte d'ici. Hop. Dépêche-toi. Oh putain. Heureusement qu'il y avait un mar... Oh putain, c'est génial. Oh. On part en... Il faut que je sauve ma sœur aussi. Attends. Faut absolument que je... Que je sauve ma... Ma sœur. Y'a pas de poubelle qui passe dans ce village? A tous les coups, c'est leur père qui est venu les kidnapper. Sœurette? Putain, elle est là. Sœurette? Elle peut pas m'entendre. Elle a un casque. Oh, il arrive. Qu'est-ce que je dois faire, les crosses, putain? Je suis en panique. Rentre, 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 rentre. Je peux pas rentrer? Putain, je peux pas re-rentrer? Go meet sister. Mais rentre. Ok, je peux pas. Comment je vais faire pour... Il y a du sang à terre, bordel de merde. Oh, c'est tellement crade chez lui. Elle est là. Sister, sœurette, il faut qu'on se casse d'ici maintenant. Qu'est-ce que tu crois que t'es en train de faire? Je suis celle qui a demandé à ce monsieur de nous kidnapper. Quoi? Je suis celle qui a demandé au monsieur de nous kidnapper. Et je lui ai demandé de te kidnapper aussi? Et je lui ai demandé de te kidnapper aussi? Oh, c'était mes plans pour que maman nous voie enfin. Et qu'elle prenne soin de nous. Comme quoi, tu vois, l'amour d'une mère, c'est important quand même. Enfin, l'amour d'un parent. Oh. Ok, en fait, on s'en est tellement pris plein la gueule par notre mère que notre sœur, elle a pété un câble et elle a trouvé que ça pour capter l'attention de notre mère. Il y a d'autres moyens, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens, mais c'est un peu hardcore quand même, hein, de demander à quelqu'un de nous kidnapper, j'avoue. Mais bordel de merde! C'est le plan parfait pour que maman nous aime comme avant. C'est le plan parfait pour que maman nous aime comme avant, mais t'es malade! Ça tombe le mec, il est gentil, hein.
Peut-être qu'il a juste été payé par notre sœur pour nous kidnapper. Non mais c'est... Mais je dois me casser d'ici les croisins. What gotten into your sis? I should get out of here before the guy find me. Qu'est-ce que t'as fait, Sœurette? Il faut que je parte d'ici avant que le mec me trouve. C'est une excellente idée. Merde, je peux pas repartir là. Aïe. Ok, bon. What, c'est qui ça? Les clés? Ah, il est bourré! Putain, il a trop bu! Les clés. Oh putain, il a trop bu, il s'est endormi. C'est ma chance. Oh! L'angoisse, les crozes, l'angoisse. On a... Qu'est-ce que tu fais? Ta sœur va être inquiète. Non, si près du but. Juste relax. Non mais elle, mais c'est une tarée ou quoi? Juste relax. Le monsieur écoute tout ce que je dis. Il n'y a rien de bizarre. C'est la seule chose à faire pour que maman nous aime comme avant. Waouh. Sœurette agit bizarrement. Pour moi, elle a été droguée. Hein. Pour moi, elle a été droguée, c'est pas possible autrement. Ça peut pas être naturel. Bah non, ça, on est trop con, les crocs, ça peut pas être naturel parce qu'au début du jeu, notre sœur nous dit que notre mère nous aime, qu'il faut pas dire que... Vous vous souvenez au début du jeu? Elle nous dit mot pour mot, il faut pas dire qu'elle nous aime pas, elle nous aime, nanana. Ça n'a aucun sens qu'elle ait fait ça. Elle a été droguée. Ça fait 2 semaines, j'ai fini par écouter ma sœur et j'ai décidé de vivre avec le kidnappeur dans la maison du kidnappeur. J'ai arrêté l'école. Je suis pas trop d'accord avec le plan de ma sœur, mais je la crois. C'est horrible, putain. Renya, je suis en train de faire du curry et du riz, viens m'aider. C'est ultra glauque, on est vraiment en train de vivre notre vie avec notre sœur dans la maison d'un psychopathe, tout est normal. Oh, j'ai un couteau là. Oh, j'ai un couteau, les crozes. Vous vous souvenez de karaoké? Vous vous souvenez de karaoké? Plantage. Je plantage! Pourquoi je peux pas te planter, putain? Je peux pas le planter. Je peux pas, Jules, je peux pas. Je l'aurais fait, hein, mais je peux pas. Eh, merci, et t'as vraiment bien coupé les légumes. Oh, on dirait que quelqu'un est là. Renya, va répondre. Avec plaisir, Sœurette. Je vais répondre. Car c'est notre maison, après tout. Faites que ce soit un flic, putain. Oh! C'est un keuf! C'est la police. J'ai parlé à la police de toute la situation. Yes! Je ne veux que personne soit dans les troubles. Hein. Il a pris mes mots au sérieux. Ah non! Il m'a pas pris au sérieux parce que je suis juste un enfant? Ah, il a quand même été arrêté pour kidnapping, ok. Et la police a contacté notre mère, d'accord, ok. Pff, j'ai eu peur là.
Ah, c'est notre mère. Je suis désolé pour les causes, enfin pour les inconvénients. Je suis désolé pour ça. Oh, c'est rien, vous inquiétez pas. Je suis sûr que votre fille et votre fils ont dû être bien traumatisés, donc s'il vous plaît, faites attention à eux. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de blessures, sûrement. Ok, vous deux, à la maison. Oh là 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 là. Sis, you seem kinda happy. まあね。お母さんが来てくれたからね。Ok, maman est venue, du coup on est content. Ouais, je pense comme toi, Sarah. Oh putain, elle va nous casser les couilles. J'ai jamais été appelé par la police avant, qu'est-ce que vous avez encore foutu? Mais putain, on vient de se faire kidnapper! C'est tellement embarrassant. J'ai pas le temps pour ça. Finalement, on était bien chez le kidnappeur. Oh putain, c'est horrible. Ah, on ouvre enfin! Nande? Pourquoi? Retry? Hein? On a eu... C'est la fin? On a eu la mauvaise fin? Attends... Oh là là! Ah, y a peut-être plusieurs fins! Fallait pas dormir. Ok. Ah, faut pas dormir. En fait, faut pas écouter notre sœur. Faut faire genre, bah non, en fait. Non, sœurette, t'as totalement tort. Il faut vraiment qu'on se tire. Alors, attends. Du coup, on aura une autre fin. Ça, c'est cool. On aura un autre point de vue. Alors, attendez. Yes, go. Attends, non. Attends. Faut pas que je fasse le con. Attends. I need to go get help. Bah go. Ouais, go, on va... Oui. Ok, je dois partir with being spotted by my... Ok, en fait, faut que je sorte de la maison sans être grillé par ma sœur ou le pédophile. Ah ouais, voilà, on a eu la mauvaise fin, putain, ok. Attendez, on va essayer d'avoir... Oh putain, ça va être tendu. Oh, ça va être tendu. Aïe, ok. Alors, comment je vais faire ? Ouais, 1v2, ça va être chaud. Hein. Putain, j'arrive plus à parler. Je peux même pas me cacher quelque part, les crozes. Je peux même pas me cacher. Il vient de passer, là. Ok, notre sœur est là. Lui, il est là. Je vais me planquer dans les chiottes. Ferme la porte. Merde. Ok, c'est bon. Je me planque dans les chiottes. Il va repasser et je vais dehors. Putain, il reste là.
fume sa clope. Je peux sortir par là, non? Ah putain. Ok. Requiert batterie. Turn off the TV. Ah, il y a les clés là. Attends. Oh là là, no, I go, Fuson. Ok, faut que j'éteigne la télé, que je récupère les clés sur la table et que j'aille ouvrir la porte. Alors attendez. Comment on va couper la télé ? Faut que je coupe le courant, non? Ah, elle est là, la télé. Ok, parfait. Alors, comment je vais faire? Attendez. Faut que je coupe la télé au bon moment. Merde. Reviens pas ici, hein. Oh putain, vite les clés. Ok, on a les clés. Ok, l'autre elle est partie là-bas. Putain. Oh ! L'autre il est encore devant. Tendu, hein. Je prends pas les clés, je dois faire quoi? Ah! Je dois faire quoi avec les clés? Ça ouvre quoi les clés? Ok, il faut que je trouve ce que les clés elles ouvrent. Ah merde. Faut que j'arrive à trouver des batteries, je pense, pour éteindre la radio et ça va. Ouais, c'est ça. En fait, faut que je trouve des batteries pour éteindre la radio et ça va faire revenir le mec et moi je me casse avec les clés. Faut qu'on trouve des batteries en fait. Je crois que c'est ça. La télécommande, elle est là. Attendez. Faut que je trouve des batteries, je pense. Putain, il y a du sang à terre, bordel. C'est vraiment un psycho. Ah, là. Là, il faut que j'attire le mec avec la radio. Mais j'ai pas de batterie, les roses. Va falloir explorer. Alors attends. Oh,
Regardez la salle de bain, putain, elle est grosse. Regardez l'état de la baraque. Il y a plein de sang partout. Oh, il y a du sang partout. Regardez. Peut-être que la batterie y est. Où ça? Et c'est les portes verrouillées. Bah c'est ce que je suis en train de faire, ouais. Attention, elle arrive. Je crois pas qu'elle puisse monter. Non, elle peut pas monter. Elle peut pas monter. Ok. Donc là, là ça reste verrouillé. Là c'est les chiottes. Là... Là, y'a rien. Putain. Oh, quoi? Elle m'a pas vu? Non, c'est, elle est aveugle, là. Putain, Serette, t'es de mon côté, là, c'est pas possible. Là, je vais me faire griller, hein. Comment je vais sortir? Comment je vais sortir? La batterie, elle marche pas. Enfin, le... Putain, l'écrou, je sais vraiment pas. Je trouve pas de batterie. Hein. J'ai les clés, mais si je passe à côté de lui, je vais mourir, non? Y a pas de batterie. Les gars, ça va? Ça va les gars? Ça va? Serette? Papa? Vous allez bien? Bon, je cherche des batteries, hein. Si vous trouvez des batteries, bah vous pouvez me dire où c'est. Ça m'aidera dans mon évasion. Oh putain. Non, elle nous aide, hein. Elle nous aide, hein. Juste à côté du gars, il n'y a pas une porte. Là? Bah, elle est ouverte, la porte, là. Ici? Ah! Oh, putain, les génies! Les génies! C'est quoi, ça? Attends. C'est quoi, ça? Il y a quelqu'un qui a fait un trou? Quoi? C'est génial! Je peux passer dans les... Oh. Pardon? C'est quoi ça? Oh non, c'est le fantôme. Ah, il y a un visage, putain. Il y a le fantôme de ses victimes qui hante le grenier. Mon Dieu, à l'aide? Oh. Non. Oh, elle m'a fait peur. Il y a The Gruge dans le grenier. Oui, bah oui, go back, ouais. Ça devait être une meuf qui a tué. Ok, j'ai la batterie. Les crocs, on est bon, là. Là, on est bon, là. On va attendre que l'autre, elle repasse. Vas-y, passe. Parfait. Hop, tac, tac. Là, je vais faire tac. On va finir le live à minuit, ça continue. Putain, elle casse les couilles. Je l'aimais bien, notre sœur, au début. Là, je l'aime plus, je vous le dis. Hein. Ah, je l'aime plus. Hein. Elle m'énerve. Hein.
Bon, au moins je sais où est la batterie et où est Non mais d'accord, frérot, calme-toi. T'as une vision deck toi aussi. Merde, j'ai quitté. Oh non. Oh merde, attends, je crois que c'est bon. Attends, j'espère hein. Non, c'est bon. Putain, j'ai eu peur. Ok. On recommence. Crah, on était si proche du but, les crozes. Si proche. Allez. Ok. Donc, la télé en premier. On va y arriver, hein. Non. Alors toi, va te faire enculer. Hein. Alors l'autre, elle va revenir. En fait, elle fait, ouais, voilà, elle fait le tour de la maison, en fait. J'ai compris son chemin. J'ai compris son chemin. Hop. Eh, c'est chaud! Bah attends, ils sont deux! Putain. Ah putain, faut que je réfléchisse. Comment? Attends, en fait, il y a un passage. Faut que je trouve le bon chemin au bon moment pour pas me faire griller. Ouais, c'est ça. Faut pas que je me fasse griller en fait. Ou alors faut que j'allume la radio au bon moment, ouais. Peut-être. Attendez. Là, le chemin, il est bon. Je fais ça. Hop, l'attaque, là, elle va là. J'ai le temps d'aller là. J'ouvre ça. Je prends la batterie. Toi, nique ta mère. Là, elle va repartir. Voilà, elle repart. En fait, alors, faut que j'enregistre son trajet. Elle va là, elle fait ça. Et elle fait ça, ok. Elle fait toujours la même chose. Je vais me planquer ici. Est-ce qu'elle va me voir là ? Ok, on est bon. Je vais me mettre ici, les crozes. Elle va repasser. Et quand elle repassera, j'irai direction la porte avec les clés. Ça devrait... J'espère que ça va être bon. Attendez. Là, logiquement, elle va repasser ici. Voilà. Maintenant. J'espère que l'autre, il est toujours à sa radio de merde. Ok. Allez. Putain, je t'en supplie. Sauve-toi. Sauve-toi. Allez. Vas-y, mec. Vas-y. Allez. Ah, le vélo. Putain, faut que je prenne le vélo. Eh, c'est cardio, ce jeu. Allez, on fonce. Putain, on a réussi à s'enfuir. Alors, par contre, on fait gaffe parce qu'on est en pleine nuit. Dans un village de pédophiles. Faire gaffe, hein. Non. Fous-moi la paix! Et quel enfer le gosse qu'il a vécu.
Il est juste derrière moi. Keiji, je m'en bats les couilles. Ok, les parents de mon ami ont immédiatement appelé la police. Ils ont expliqué, ils ont absolument tout expliqué. Le gars a été arrêté. Ok, oh putain. Waouh. C'est bon. Attends, on va avoir la même fin du coup? Je passe les crosses parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure ça. Alors attends, est-ce qu'on aura une autre fin? Pourtant là, je me suis enfui les crosses. Je pense que ça va finir de la même manière. Hein. Ça finit pareil. Ça fait le choix entre deux routes. Ah, tu aurais dû aller à la maison de ta pote fille dont la mère bosse pour les services sociaux. Putain, Romy, mais oui. J'ai pas réfléchi. Ok, bon, on a eu la deuxième fin du coup. Ah, on peut choisir. Ah bah after, ok, on va choisir l'autre maintenant. L'autre maison. On va choisir l'autre. Ah, c'est bien, on n'a pas à refaire tout. On n'a pas à refaire l'évasion. Ça, c'est bien. Ok, on va voir la troisième fin du coup. Ok, on va choisir. Oui. En fait, c'est vrai qu'on a une amie. Notre mère, elle bosse pour les services sociaux. Elle nous l'a dit en plus. On va faire ça. On aura peut-être la bonne fin. Demande à The Grudge de l'aide. On va demander à l'autre. C'est qui? C'est qui C'est qui avec la mère sociaux là? C'est Masiro? Ok. Sur les creuses. Je suis pas sûr que ce soit lui. On aura encore une fois la même fin. Ouais. Non, fallait tourner à gauche. Il y avait une option go left. Je crois qu'il fallait tourner à gauche. Ouais, non, je crois qu'on aura la même fin là. Ouais, faut que je prenne à gauche. Pour moi, c'était go left. Moi aussi. C'est pas grave. De toute façon, après, tu as la troisième voie. La troisième voie à gauche, oui. Elle est terrible, cette fin, quand même. Putain, elle est grave triste. Retry. Ok, bon, cette fois, je pense que c'est la bonne. Let's go. Par contre, c'est vrai que le clown... Qu'est-ce qu'il est devenu, le clown? Il était peut-être pas réel, hein. Il faisait sûrement partie de notre imagination, le clown, hein.
pense. Faudrait se renseigner sur l'histoire profonde du jeu, tu vois. Genre le clown et tout. Il doit y avoir un sens profond à tout ça. Hein. Ouais, c'est une légende, je crois. Shift, allez go. Donc là, on va aller à gauche. On fait attention. Oh non, Toshiba, Jules. Toshiba. Ok, je suis allé à gauche. Wow. Ok. Shift. Je sais pas si je devais aller à gauche ou à... Oh putain, je l'entends. Ah, oh, je l'entends, il est à gauche. Ah, oh, je l'entends, il est à côté de moi. C'est où? C'est là? Oh, j'ai couru jusqu'à la maison de Koïmé. Je ne savais pas où aller d'autre. Je me souviens que sa mère bosse dans un centre de trucs de... Bien joué, Romy, bien joué. La mère, du coup, a écouté... A écouté. Elle a été d'accord avec tout ce qu'on a dit. Ah... Ah, la mère de Koïmé a été voir le mec, le pédophile, et elle a dit, elle l'a menacé en mode bah laisse-les tranquilles ou je te dénonce aux flics quoi. Et du coup notre mère n'aura pas affaire aux flics. Je pense que c'est ça. Donc elle sera... Attendez. Oh, la mère de Koïmé, elle a géré de ouf. Welcome home. Ah, c'est notre sœur. Comment était l'école? Oh. Beaucoup de choses se sont produites, hein. Mais c'est sûr que c'est confortable ici. Je me demande si t'as encore peur de maman. Ah, elle est là, notre mère. Attendez. Notre mère est là. Je veux voir ses enfants, je suis leur mère. Saiko, Renya, on bouge. Alors, est-ce que ça va changer ou pas? How did you guys end up like this? Where? Ah, où est-ce que vous étiez? Ah ouais, elle sait rien en fait. Sakiro, réponds-moi. Chez la maison du monsieur. Je lui ai demandé de nous kidnapper. Oh, elle est en train de lui balancer toute la vérité. Quoi? Vous kidnappez tous les deux? À quoi tu pensais? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Non, maman, c'est pas une mauvaise personne. Tais-toi. Tais-toi, Sakiko. Tu voulais kidnapper mes enfants et me causer plus de problèmes, c'est ça? Les enfants ne peuvent pas vivre seuls, bordel. Oh, ça suffit, je vais dans la maison du monsieur. Ça n'en finit jamais ce jeu. Oh putain, elle va direct le voir. La daronne. Oh. Hey, alors c'est toi qui as kidnappé? T'as osé kidnapper mes enfants? C'est mes enfants, putain. Tu n'as aucune autorité envers eux.
Ce sont mes enfants. Ah, elle va peut-être prendre conscience du coup. Elle va prendre conscience que, bah, elle est mère, quoi. Attends. Je suis leur mère. Personne d'autre ne doit blablabla. Okay. Les enfants doivent juste entendre ce que leurs parents ont à leur dire. Tu ne comprendras jamais. Est-ce que tu m'entends? Eh! Hey, c'est vrai qu'il a une arme à la main. On va devenir un psychopathe. Vous avez vu le sourire qu'on a fait à la fin ? Oh, la fin de zinzin ! La fin de zinzin ! Je croyais que tout allait s'arranger ! Je croyais que notre mère allait recadrer le kidnappeur, qu'elle allait nous aimer d'amour, qu'on vivrait d'amour et d'eau fraîche. On a créé un psychopathe. On a créé un psychopathe, putain. Attendez, est-ce qu'il y aura une autre scène ? Attendez. Est-ce qu'il y aura autre chose ? C'est peut-être pas fini. Oh, bordel de merde, c'est quoi cette histoire de fou ? Dans tous les cas, ça finit mal, ouais. Y a pas de bonne fin. Ouais, c'est vrai que, pour rappel, le mec avait un corps dans le grenier. Hein. C'était pas du tout quelqu'un de sensé. Hein. C'était un tueur. Hein. C'est fini les crozes. On a fini The Kidnap. Ah la vache, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Ah, vous avez bien aimé ou pas? Est-ce que ça vous a plu? Vous avez kiffé le jeu? Bon, on aura fait toutes les fins. Hein. On aura fait toutes les fins, je pense. En tout cas, c'était trop bien. Le live a duré plus longtemps que d'habitude. Hein. 2h30 de live. J'ai plusieurs clips. Ah, c'est gentil, Romy, merci. Ça, c'est cool. Merci beaucoup pour les clips. Un jeu incroyable. Le sourire, on aurait dit que le gamin avait tout prévu. Le sourire du gosse à la fin, putain. En même temps, il est traumatisé, il a 9 ans, quoi. Bonne nuit, Lyon. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, les crozes. Merci d'avoir été là. Merci pour les abonnements. Merci pour votre soutien. Cœur, les crozes. Merci beaucoup pour les abonnements. On se dit... Ah oui, on se voit plus, nous. Si, demain, on se voit demain. Demain, 21h. Ok, nickel. C'était trop cool, franchement, c'était top. Bon, vous avez kiffé, je suis content. Si vous avez kiffé le live, moi, ça me fait plaisir. Le but, c'est que vous passiez un bon moment aussi, c'est normal. Hein. J'ai adoré. Bon, bah, nickel. L'histoire est bien triste, ouais. Début un peu long, mais après, c'est génial. Je l'ai préféré à celui d'hier. Bon bah nickel. Nickel les crozes. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se voit demain. Passez une très bonne nuit. Ne rêvez pas de kidnapping. Tout devrait bien se passer. Des gros bisous. À demain les crozes. Merci à tous. Merci d'avoir été là. On se voit demain. Ciao. Bisous les crozes. À demain. Bonne nuit à tous.